C'est Slap tout le monde, on se retrouve sur Cyberpunk. Les gars, aujourd'hui on va récupérer les meilleurs cyberwares. Les cyberwares c'est quoi? C'est les implants que tu peux te mettre sur toi. Il y en a deux surpuissants, des légendaires, c'est-à-dire de meilleure rareté, couleur orange, que tu peux récupérer comme ça, en les récupérant dans un coffre, mec, d'un coup, au revoir, salut, tu te bats contre personne. Ok, le premier matériel cyber, les gars, le monocable, c'est tout simplement un fouet laser. Surpuissant, les gars, je vous montre la localisation. En plus, c'est pas loin de votre appartement, tu peux y aller tranquille. T'as même pas besoin de te battre si tu veux y aller en mode discret. Depuis l'autoroute, tu peux monter sur un toit et te battre contre personne. Tu vas à la porte en métal, il y a un coffre, dedans il y a le monocable. Tu vas chez un charcutoc, il te le met, t'as un monocable légendaire. Ok, le deuxième, les gars, les bras mantis, c'est des lames tout simplement dans tes avant-bras. C'est surpuissant, mec. C'est un délire à quel point c'est puissant. Je vous montre le gameplay. J'ai réussi à... Il y a des mecs qui étaient à 8 mètres de hauteur, mec. Tu maintiens la grosse gâchette. J'arrive jusqu'à eux, je les découpe, mec. C'est légendaire, ça met des dégâts de ouf. Je suis niveau 8, mec, ou 7. Du coup, les gars de mon niveau, en deux coups, ils sont morts. Il faut avoir fini la quête, le casse, les gars, je vous l'ai dit, c'est après 4 heures de jeu, c'est une grosse mission. Après ça, vous pouvez aller à cette localisation, c'est près de la tour Aragasa, tout simplement pour aller tuer un mec, un cyber psycho. Mais le truc, on va pas le tuer, t'as pas besoin de le tuer, parce que l'arme, elle est dans l'arène de ce boss, à côté, dans un coffre, tout simplement. Tu vas à la localisation, personnellement, j'y suis allé du premier coup, tu vas au coffre, j'ai chopé direct les bras mantis. Certains n'auront peut-être pas les bras mantis, tout ce que t'as à faire, c'est sauvegarder avant. T'y vas, si t'as pas les bras mantis, tu charges ta partie, etc. Moi du premier coup je l'ai eu, tu l'auras peut-être du premier coup aussi. Pas besoin de tuer le mec, comme je vous l'ai dit, il est très fort, j'ai testé, je suis mort deux fois, même avec les bras mantis, je suis allé les mettre et je suis allé me battre contre ce boss. Il est surpuissant, et je suis niveau 8 aussi, c'est normal peut-être, je pense qu'il est niveau 20, un truc comme ça. Bon les gars c'est court, parce que je sais pas que ça vient, je dois faire le contenu les gars, je retourne à l'Afterlife, abonne-toi à ma gueule pour plus de tutos sur Sim.